Pol Pot, j'ai 8 ans, je connais Khmer Rouge et c'est pour ça mon travail, j'ai inspiré par les histoires du Cambodge. Tout le monde dit ok, c'est triste, c'est envie de pleurer, c'est difficile à avoir mes travaux. Je pense aussi que tous les artistes doivent inspirer soit environnement, soit histoire de son pays. Et moi, j'ai inspiré par l'histoire du Cambodge. Et pourquoi? Parce que je voulais montrer que cette histoire est terrible. Quand c'est fini Khmer Rouge, dans notre famille, nous sommes allés dans Villa Natale, à Kandal. En rentrant dans la rue, il y a les cadavres des animaux, les cadavres de légendes partout. Et quand on est petit, je ne suis pas peur parce qu'on connaît dans la situation. Je vois les morts. Et c'est pour ça que mon travail, c'est la tête de mort, les tragédies. Cambodge, partout triste, c'est pas tranquille. Dans la rue, la circulation, c'est n'importe quoi, les gens conduisent, très dangereux. Partout, c'est triste. Et dans l'histoire de l'art aussi, c'est triste. Mon travail aussi, général, par exemple, le premier peinture, c'est inspiration aussi Khmer Rouge, avec des fils de fer barbelé. Par exemple, pendant Khmer Rouge, il n'y a pas fil de fer barbelé autour de votre maison, mais c'est lui qui surveille tout le temps, qui surveille dans votre maison. Parce que on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter entre papa, maman, le mari et la femme, parce que eux qui surveillent tout. Mon père, il a planté banane derrière et on n'a même pas droit de manger cette banane. Parce que pendant Pol Pot, c'est comme communiste. Tous mettent ensemble. Et avec des films, faire des barbelés, c'est comme protéger, mais c'est comme torturer. Torturer, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas discuter et manger ensemble. Travaille beaucoup et manger très peu. Après, j'ai fait le portrait sur la toile de jute comme sablerie. Je voulais laisser que les couleurs couler. Ça veut dire soit le sang couler, soit les larmes. Sablerie, c'est aussi, c'est comme je suis designer, aussi donner valeur pour le sablerie. Parce que sablerie, vous achetez à 2000 riels au Russie. Et je peux vendre à 600 $ avec la peinture. Voilà.